voir qu'ils sont en train de se développer. Autre message d'aujourd'hui, c'est Romains 8, 14. Qui connaît le passage? Romains 8, 14. Romains 8, 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Merci beaucoup. Donc, je vais vous enseigner sur ce passage aujourd'hui. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. Donc, Romains 8, verset 14. Répétez après moi. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, je suis fille de Dieu, fils de Dieu. Allez-y. Je suis conduite par l'Esprit de Dieu. Donc, je suis fille de Dieu. L'une des crises que vous allez traverser, c'est la crise d'identité. Regardez, il met le téléphone en charge. C'est ça qui me donne internet. Bonsoir, bonsoir. Excusez-moi. Nous sommes au deuxième jour de jeûne. Je dépose la grâce sur vous de tenir. Pendant cette période de jeûne, je viens aiguiser votre oui spirituel. Chaque jour, il y a un nouveau message pour vous. Si vous pouvez faire l'effort pour vous connecter, pour entendre. L'ennemi fera de son mieux pour te distraire, pour te décourager, pour te faire croire que tu es sur le mauvais chemin. L'enseignement d'hier, j'ai parlé de quoi? Transformer nos quoi en quoi. Maintenant que vous écrivez, bonsoir. Pour ceux qui vont écouter ceci après, en attendant que je finalise le site internet, le seul numéro pour nous contacter, c'est le 237-693-50-22-66. Si vous écrivez un autre numéro et on vous arnaque, c'est votre problème. Même si c'est un autre numéro qui vous envoie l'enseignement-ci. Je vous ai donné le seul numéro pour nous contacter. Plus 237-693-50-22-66. Soyez vigilants. Hier, je vous ai dit, transformez vos flèches en fleurs. J'espère que vous avez médité et que vous avez ingurgité, régurgité et réingurgité cette chose.
Votre chair est en train de prendre un coup. Vos pensées de minute en minute sont en train de changer. Ne regardez pas le contexte. Ne regardez pas parce que derrière moi, il y a les feuilles, il y a les fleurs, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas ceci. Votre chair, ta chair là, mamie. Certains d'entre vous, au bout de 21, 40 jours, votre face va changer. Certains, vos vêtements vont changer. Je vends déjà les produits spirituels, les vêtements spirituels. Vous pouvez encore en acheter vous-même. Vous allez voir que vous serez attiré par certains vêtements parce que le vêtement colle sur ton corps. Vous êtes en métamorphose. Même si vous êtes chez votre gars, entre deux coups, écoutez mes vidéos, s'il vous plaît. Si vous êtes chez votre belle-mère, entre deux tarots, écoutez les vidéos, s'il vous plaît. B vient d'arriver, ça fait 6 mois que vous ne vous êtes pas vu. Oui, entre deux coups, là, tu écoutes mes vidéos. Les flèches en fleurs, parce qu'il y a des flèches qui étaient encore dans votre chair. Il y a des personnes que quand tu parlais de la personne. Oui, mon oncle, mon copain là, mon ex, vraiment, il a. Quand tu parlais de ton ex, il y avait encore la flèche dans ta chair. Et ils ont besoin que ton esprit dissolve. Écris cela. Mon esprit dissout les flèches dans ma chair. Allez-y. Mon esprit dissout les flèches dans ma chair. Mon esprit dissout les flèches dans ma chair. Beaucoup d'entre vous, on a attaqué votre chair. On a mis la confusion sur vous. Et ils ont attaqué votre onction. Tu as l'onction. Je sais que tu ne te connaissais pas. L'esprit m'a montré ceci. Chaque fois que vous achetez un de mes produits, vous écoutez un de mes enseignements. Vous prenez de mon esprit sur vous. Ça s'augmente à votre force, votre propre puissance. Donc tu ne peux pas m'écouter pendant 6 mois. Tu dis que, oh, je suis, aidez-moi. On est dans l'étape où votre armure va bientôt se forger. Et laisse l'armure qui se forge, c'est pour la bataille. Mettez souvent mes enseignements en dormant. Si vous n'avez internet, bien sûr, mettez internet illimité. Vous branchez l'ordinateur, vous laissez jouer. Votre esprit va écouter mes enseignements. Parfois, tu vas te réveiller la nuit comme ça. Tu vas sentir tellement la présence de l'esprit dans la pièce. Beaucoup d'entre vous, vous êtes endormis. Ton esprit est endormi. Et c'est pas de ta faute. Je suis dehors. Je ne sais pas comment je peux faire. Je ne veux pas le mot aide-moi. Ne venez pas me demander de l'aide ici là. Je ne suis pas l'orphelinat. Je ne suis pas le centre social. Il y a tellement de vent ici. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez?
vous êtes endormi. C'est un peu genre, quelqu'un arrive quelque part. Il remarque que, ici là, regarde le monsieur qui est assis là-bas, il a un chapeau rouge. Oh, mais regarde là-bas, l'oiseau. Mais toi, tu n'écoutes pas. Tu ne remarques pas. Parce qu'il y a des gens qui ont l'esprit plus éveillé que d'autres personnes. Actuellement, le temps que vous êtes... Papa, tu arrives quelque part. Il y a des gens qui vendent avec les produits. Il a mis un truc pour contrôler les clients dans sa poche. Quand tu arrives devant lui comme ça là, tu titubes un peu là. Dès qu'il te dit que c'est 5000, tu dis oui, j'ai 4800. Au lieu de dire j'ai 2500. Vous entendez plus le vent ou bien vous entendez, mais ça se coupe. Est-ce que vous entendez le vent? Monsieur le vent, calme-toi. Laisse-moi enseigner d'abord. Zoom, est-ce que vous m'entendez? Zoom m'entend, hein? Donc vraiment Facebook. Je vous ai dit d'aller dans mon Zoom. Vous n'êtes pas dans le groupe. Tant pis pour vous. Mon chong me voilà. Je continue alors. J'enverrai ce message sur WhatsApp après. Donc vous pouvez l'écouter dans le groupe. Si vous ne voulez pas vous laisser. Je vous ai mis les groupes, vous n'entrez pas. Vous attendez toujours quand Facebook vous donne mon tour de temps en temps. Quittez là même. Je vais même vous attendre. Je vous laisse aussi là-bas. Si vous écoutez, vous écoutez. Bon, je continue. Vous avez dans votre chair. Souvent quand tu rencontres quelqu'un, il te fait quelque chose, tu te rappelles de ce qu'un ex t'a fait. Et quand tu te rappelles comme ça là, ça t'énerve. Parce que dans ta chair, il y a déjà une prédisposition. Dans ta chair, il y a des flèches. Tu as des flèches qui sont ancrées dans ta chair depuis longtemps. Et c'est ça qui t'empêche souvent d'avancer pour prendre tes bénédictions. Ça t'empêche d'ouvrir les yeux. Ça t'empêche d'avoir le courage. Souvent, tu restes comme ça là. Tu penses que c'est un problème. Ton mental est à terre. Oui, oh là là, je n'ai même pas l'argent pour payer le loyer. Tac, ton mental tombe. Oui, je n'ai pas cessé. Oh, comment est-ce qu'on va faire pour payer telle personne? Oh, demain, elle va m'appeler. Je n'ai même pas ces 25 000 pour payer le loyer. Tac, ça met ton mental à terre. Parce que dans ta chair, il y a une prédisposition. Une prédisposition de peur. Et le but, c'est de te conditionner. Donc, vous devez vraiment faire les... pour vous aligner avec là où vous êtes en train de partir. Et j'ai parlé de l'éveil de l'esprit. Beaucoup d'entre vous qui me suivent fidèlement depuis quelque temps, votre esprit est déjà éveillé. Vous avez une certaine vitesse de pensée. Souvent, quelqu'un arrive, tu demandes le visa. On te dit, oh, tu intéresses tel document. La personne t'informe.
Tu dis que, mais attends un peu. Mais on peut faire comme ça, non? 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 Parce que ta chair est déjà libérée d'un certain blocage. Tu as déjà une vitesse de vibration qui est accélérée. Voilà. Célia parle, elle dit que souvent elle pleure sans savoir pourquoi. Et après elle laisse passer. Dans cette phase, si vous êtes en train d'être guéri. Et pour chaque jour, tu dois savoir ce que l'esprit est en train de faire dans ton corps, dans ta vie. Chaque jour qui passe, dis toujours, Seigneur, quel est mon message pour aujourd'hui? Seigneur, quel est mon message pour aujourd'hui? Le corps suit l'esprit, mais ce n'est pas automatique. Il y a des délivrances que vous avez en fonction de l'onction. Il y a des délivrances que vous avez en fonction de l'onction. J'ai eu le témoignage d'une dame aujourd'hui, une d'entre vous. Et là, elle me disait, elle avait des dettes. Et elle a demandé un crédit, la banque n'accordait pas. Et elle me faisait un résumé de depuis juillet l'année passée. Le nombre de choses qui ont changé dans sa vie. Elle a acheté le kit fondation, elle a laissé, elle n'a pas utilisé pendant un mois. Le joueur s'est décidé à utiliser. Elle parle avec sa banquière. La banquière prend elle-même le dessus, elle, de faire toutes les procédures. Elle se retrouve, bam, on lui accorde telle chose, telle chose. Elle-même, elle sait, elle sentait que, gars, l'autre aussi là, c'est les changements qui sont dus. Tu ne vas pas. Hein? C'est les changements qui sont dus à sa l'accélération dans son énergie vibratoire. Tu viens d'arriver dans une famille ou dans un pays. Je vous dis toujours que si au pays tu n'as pas travaillé sur ta capacité vibratoire, quand tu vas arriver en Europe, tu vas souffrir. Vous savez souvent qu'il y a des gens qui viennent pour un boulot, non? Quand tu vois la personne, tu regardes ses yeux comme ça là, tu sens que son esprit est réveillé. Il arrive en 2 semaines, il capte. Pam, 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 il voit comment. Une fois, deux fois. Le troisième jour, tu le vois en train de faire lui-même. Ça, c'est l'esprit qui est réveillé. Ça, c'est l'esprit qui est réveillé. Et l'ennemi va beaucoup jouer sur vous. Parfois, tu rentres dans une relation avec quelqu'un. Son esprit t'endort. Vous sortez ensemble un mois, deux mois, trois mois. Tu prends son esprit. Donc, tu sens comment dans les rêves maintenant, c'est seulement les bagarres. Il y a ton corps. Il y a ta volonté. Et il y a ton esprit. La volonté se trouve dans l'âme. Ton esprit, ce qui attache ou détache ton esprit, on peut dire que ce n'est pas ton conscient qui le contrôle. C'est pour ça qu'il y en a parmi vous, vous étiez bloqué depuis des années, vous ne saviez même pas qui vous bloquait. Vous ne saviez pas ce qui vous bloquait. Vous ne saviez pas. Jusqu'à ce que vous tombiez sur mes vidéos. Et mes vidéos ont l'onction. Je vous ai toujours dit que si vous utilisez mes produits et vous écoutez mes vidéos. Jean 6, verset 67. Les paroles que je vous dis sont esprit et vérité. Maintenant, mes paroles entrent dans votre esprit. Hébreux chapitre 4, verset 16. Je vais vous le lire. La Bible dit. Hébreux 4, verset 12. Pardon. La Bible dit. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager. Âme et esprit. Vous suivez? Tu écoutes la parole. Ça entre dans toi. Pouf! Ça divise.
C'est pour ça qu'il y en a parmi vous. Vous m'écoutez pendant des mois, mais vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Vous m'écoutez pendant des mois, mais vous ne... You don't hear, you're hearing, but you're not understanding what I say. Ça sépare les jointures et la moelle. Et ça juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Donc vous avez à l'intérieur de vous, quand vous écoutez, on dissèque, on vous dissèque. On voit que ça est bien. L'autre aussi là, non. C'est pour ça que vous avez tout dit que la clé, c'est une écoute répétée et longue, prolongée. Il y a des enseignements que tu vas écouter parfois 5 fois, c'est la 6e fois que ça va te parler. Donc pour aujourd'hui, votre esprit est en train de s'ouvrir. Cet audio sera dans le groupe, je vais mettre dans le groupe, vous pouvez l'écouter après. Donc je répète le numéro, le seul numéro qu'on parle, le seul numéro c'est le 237 693 50 22 66. Si vous écrivez un autre numéro et on vous en a, c'est bien pour vous. Voilà. Donc vous devez comprendre que aujourd'hui vous êtes en pleine guérison de votre âme et de votre esprit. Votre esprit est en train de se réveiller. On ne peut pas parler d'élévation si on ne parle pas de réveil. Il faut que tu te lèves d'abord. Tu te réveilles avant de te lever. Bonsoir Nouella, depuis le Maroc. Donc j'espère que les enseignements que je vous donne, ça vous permet de vous réveiller. Je vous ai lu le premier passage que je vous ai lu. C'était quoi? Sur Facebook, qui m'entend sur Facebook? Apparemment, aucune personne ne m'entend sur Facebook. Romains 8, verset 14. C'était le premier passage que j'ai lu. Romains 8, verset 14. Vous aurez l'impression parfois que vous arrivez quelque part. Je suis arrivé dans un local aujourd'hui où il y avait la Vierge Marie. Déjà, on cherchait quelque chose. On roule. Soudainement, le chauffeur, donc l'esprit a d'abord fait que le chauffeur s'arrête lui-même. Il s'arrête, il entre dans la rue là. Quand il entre, je vois la plaque avec une grosse image de Saint-Michel. L'esprit commence à me dire que cherche. En cherchant, il commence à dire que si c'est 50 mètres de la route, ça va. J'ai marché environ 250 mètres de la route. Je marche, je demande que c'est où. L'endroit est où, on dit va devant. Je marche, on dit que je demande que c'est où, on me dit va devant. Je marche, après, j'arrive. Quand je suis entré, c'est un ange qui m'a d'abord reçu à la porte. Et je ne connais pas moi quelqu'un dans la ville tiers. Mais le genre que ça me conduisait, je ne pouvais pas résister. Arrêtez de me dire que ça dérange. Déconnectez-vous, non? Ouais. Vous allez voir que suivez beaucoup plus votre intuition. Et quand la Vierge va vous parler, ce sera seulement un désir que tu vas sentir dans ton cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois faire ça. Quand tu veux te décourager, un petit truc vient encore t'encourager. Tu dis, ok, je fais encore 2 minutes. Dès que tu veux te décourager, ça vient encore te dire que non. Après, tu fais encore 3 minutes.
c'est comme ça que vous allez voir vos accomplissements. Et il y a certaines de vos délivrances que même s'il faut seulement marcher que un pas pour avoir ta délivrance, tu vas marcher. Décide-toi que si je dois marcher un pas pour avoir ma délivrance, je marcherai. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Beaucoup d'instructions vous ont été données depuis longtemps, mais vous ne les écoutiez pas. Maintenant là, s'il te plaît, fais ce que ton esprit te montre de faire. Suis ton esprit. Suis ton esprit. Il y a des choses qu'on vous dit de faire. Tant que tu ne fais pas, tu n'as pas la paix. Dès que tu fais, tu sens comment. C'est comme si on a versé l'eau sur toi qui avait chaud. C'est comme si tu es dans une pièce où il y avait la climatisation. Tu sens comment ton cœur se calme. Donc je vais prier pour vous. Je vous active. Tout ce que l'ennemi a planté dans votre corps pour vous faire du mal, j'enlève. Je déclare que votre esprit se réveille à partir d'aujourd'hui. Je viens ouvrir vos dons. J'ouvre vos pouvoirs. Je vous connecte avec les personnes qui sont censées changer votre vie. Je vous connecte avec les ministères, si c'est le mien. J'appelle des quatre coins de la terre les personnes qui sont censées profiter de ce ministère. Je m'accorde avec vous. Si vous avez reçu des instructions quand l'esprit parlait et vous avez oublié, je remets ces instructions dans votre esprit. Je déclare que vous vous levez, que votre cercueil se transforme en trône. Tout cercueil dans lequel on vous avait déposé pour que vous mouriez. Je déclare qu'il se transforme en trône. En trône par la puissance divine. Toute arme qui a été forgée pour vous bloquer. À partir d'aujourd'hui, je transforme ces armes en fleurs. Quand vous m'écoutez, quand ma parole touche votre esprit ce soir. Papa, pardon. Ça, on n'aura pas l'espace pour ça. Ça, déjà, c'est beaucoup. On n'aura pas l'espace. Non, on n'a pas de ça. Toute arme que l'ennemi a forgée contre vous est sans effet. Je vous sors des trous dans lesquels on vous a déposé. Je déclare, votre esprit est vif. Vous écoutez la direction qu'on vous donne. Vous partez là où on vous emmène. Même si aux yeux de tout le monde, ça n'a pas de sens. Je déclare que toi, reçois l'argent qu'il faut pour voyager, partir dans le pays qu'on a désiré pour toi. Reçois l'argent pour acheter ce qu'on a dit que tu achètes. Reçois l'argent pour faire les dons qu'on t'a demandé de faire. Reçois l'argent pour déménager là où on t'a dit de déménager. Reçois l'argent pour commencer le ministère ou encore le business qu'on t'a montré. Beaucoup de business vont naître et ce seront des business spirituels. Des business spirituels. Pour aider beaucoup de personnes. Pour restaurer les dons des gens. J'enlève la honte sur toi. Tu n'as plus honte de lancer ce qu'on t'a dit. Je déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne prospère. Les business de nourriture, business de vêtements, business de chaussures, business de bijoux, pour restaurer l'aura, l'onction, l'appel des gens, business de vente de livres, d'écriture de livres, maison d'édition. Je relance ça dans vos esprits ce soir. Recevez les financements appropriés et nécessaires pour faire. Je vous établis dans tous les pays de cette terre. Vous prenez de l'ampleur. Vous grandissez. Mettez la main sur la poitrine. Comment on fait la machine pour activer quelqu'un qui mourrait? Je vous active. Boum. Allez-y, mettez. Je vous active.
boum. Reçois le désir de te battre, peu importe les obstacles qui t'avaient fait abandonner avant. Reçois le désir de te battre aujourd'hui. Tu te relances. Tu parles. Oh, Karababa Shanda. Le Kotoroboshi Karakasante. Je vois quelqu'un ici là que tu vas rester dans la nuit, on va te donner seulement les messages. Demandez mon huile d'olive, je vous en prie. L'huile, l'huile, l'huile. Faites le traitement avec l'huile d'olive, même 4 jours. Vous, tu mets seulement sur toi, tu mets sur toi, tu parles, tu masses ton corps, tu parles. L'huile, c'est l'onction. Ça, c'est la prescription qu'on m'a donnée. Vous voyez comment il brille, non? La maison où je suis entrée là, là-bas, on m'a montré l'huile. Quand ils mettaient ça sur moi, ils m'ont dit que voilà votre message. L'huile. Si vous avez acheté les kits, il y a derrière de l'huile dedans. Refaites votre truc avec ça. Tu mets ça sur toi. Tu dis que je renouvelle mon onction sur moi. Vos business qui ont été attaqués là, je relance toutes vos activités. Vous mettez sur les pieds les voyages. Tu vas voyager, tu feras 5 pays par mois. Tu feras 5 pays par mois. 5 pays par semaine, tu fais 5 pays. Recevez les financements pour payer les billets d'avion. Vous mettez ça sur vos pieds. Vous dites, j'ouvre mon territoire. J'ouvre mon territoire. Je ne manque pas. J'ouvre mon territoire. J'ouvre mon territoire. Aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Tu mets sur les yeux. Tu dis, j'active mon don de vision. Mettez la main. J'active mon don de vision. Recevez l'argent. Avant 24 heures aujourd'hui, minuit, vous aurez une grosse somme d'argent. Avant la fin de cette semaine encore, vous aurez des approbations financières que vous attendiez depuis. Recevez les argents dont vous avez besoin. Recevez, 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 recevez. Je sens beaucoup, votre corps va beaucoup chauffer ce soir. Vous aurez des visites, on va vous visiter la nuit. On va vous visiter la nuit. Vous mettez sur la main. Je viens contre le syndrome des mains percées. Syndrome des mains percées. Je le combats, je le combats. Syndrome des mains percées. J'ai fait 2 ans avec un compte que je n'arrivais pas à avoir accès à l'argent de ça. J'ai un de mes réseaux sociaux que, depuis que je fais les vidéos dessus, je n'ai jamais touché l'argent de ça. Depuis 3 jours, il y a une autre dimension que le Seigneur a ouvert là. J'ai eu accès à un compte que c'est... La dernière fois que je me suis connecté là-bas, c'était en mai 2022. J'ai essayé. Avril 2022, j'ai essayé. Ça ne se passait pas. Aujourd'hui, en 3 heures de temps, tout ça a été débloqué. S'il y a un territoire sur cette terre que le Seigneur t'a appelé dessus, mais que l'ennemi t'a combattu, soulève la main comme ça. Mets le doigt ici. Je veux ton majeur, pouce, index, ton index de la main droite. Soulève, pointe ça vers le ciel. Tout pays que le Seigneur m'a donné, selon Josué 1, selon Josué 1, verset 3 à 5, je prends ce pays en possession. Je prends tous ces pays en possession. Allez, pointez ça vers le ciel. Je parle au ciel. Je parle aux anges. Je parle à la Vierge Marie. Je parle à l'ange Michael. Je parle à mes anges. Je parle à mes guides. Avec le jeûne que nous sommes en train de faire actuellement, je vous délivre. Je vous libère. Je vous ouvre les portes. Retrouvez. Retrouvez ce que vous avez perdu. Retrouvez les plateformes que vous aviez perdues. Retrouvez. 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 Retrouvez les accès. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Là où les flèches abondent, la grâce abonde aussi. Les fleurs abondent. Je transforme toute douleur dans votre vie. Toute flèche en fleur. Flèche en fleur. Douleur. Douleur en joie. Elle a lu mon message. C'est elle a lu mon message qu'avant minuit, j'aurai une forte somme d'argent. Et avant minuit, elle a reçu ce qu'on lui devait. Une forte somme qu'on lui devait. À minuit pile, tu as seulement souri. À quoi pour? J'aime bien quand vous venez témoigner. Pardon, témoigner comme ça, les gens vont comprendre. Please, oh, I beg. Recevez vos fortes sommes d'argent.
Ceux qui n'ont pas l'huile là, partez à Douala, je vais demander qu'on vous donne des portions d'huile de 2000 francs maxi. Tout petit comme ça. Pour faire le travail ici, c'est un travail qu'on a actuellement. Tout argent que tu ne connaissais même pas que tu as. Qui était quelque part? Vous savez combien d'argent j'avais dans le compte là? J'avais 2000 francs dans le compte là. Je ne savais même pas que j'avais ça. Quand je voulais ça, j'ai crié. Tout argent que tu avais quelque part, je multiplie ça même par 10. Je te donne. Je te donne. Recevez. Toute influenceuse qui me suit, influenceur. Tu as fait les vidéos depuis des années. Dans les 3 prochaines semaines, tu vas recevoir la paye des 4 à 5 ans de vidéos que tu fais depuis là. Pay time. Et celles qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, contactez-moi, pardon. Pardon. On me dit depuis, ça fait au moins 1 an et demi que Dieu me dit que je dois vous former sur les réseaux sociaux. Pardon. Célia, contacte-moi, on va travailler ensemble. Voilà. Je bénis votre soirée. Oh. Tout business que vous avez, vous devez savoir comment utiliser les réseaux sociaux pour trouver les clients. C'est ça mon but avec vous. Me suivez. Voilà. J'ai fini. Je vous ai dit tout ce qu'on m'a donné, je vous ai donné. J'ai béni votre soirée. Voilà. Je vais poster ça dans le groupe. Vous allez écouter après. C'est 34 minutes. 34 secondes. Formation réseaux sociaux. Les guérisseurs et les guérisseuses, je suis censé travailler avec vous. Hein. De toute façon, il ne faut pas connaître le nombre d'attaques que je reçois sur ce que je fais. Mais ça ne me décourage pas. Je vais faire une plateforme où tu arrives. Tu sélectionnes le soin dont tu as besoin. Si c'est un truc ancestral, j'ai un guérisseur pour toi. Si c'est pour business, j'ai un guérisseur pour toi. Guérison, c'est pour le mariage. J'ai un guérisseur pour toi. Mais je crois aussi que pendant ce temps, Dieu vous active. Comme ça, quand le temps sera bon, vous serez déjà en train de travailler quoi. Les hommes n'ont pas de place ici, comment? Guérisseur et guérisseuse, pardon. J'ai appelé le site internet 3 fois. Les attaques sur ça. Mais ça ne me décourage pas. J'ai commencé à travailler avec les guérisseurs. Au début, c'était les faux guérisseurs. Mais c'est que les vrais sont là, ils sont patients. Les vrais sont là, ils sont patients. Ils ne courent pas. Et ça me permet aussi de tester même qui est bon, de bon cœur. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes là avec moi depuis. Vous êtes là. Ce que vous avez passé aujourd'hui là, j'ai trop senti ça dans mon corps. Donc j'ai mis dans le groupe le voice. Écoutez ça s'il vous plaît. Ok. Je vous bénis. Je vous couvre d'onction. J'active votre propre onction. Que la lumière soit sur vous. Que les idées soient sur vous. Que cette nuit, on vous montre clairement ce que vous êtes censé faire. Et j'appelle les collaborations, les collaborateurs. Envoyés de Dieu. Pas les Decepticons. Que les gens là vous localisent. Je
vous envoie les clients sains. J'enlève les clienticônes de votre téléphone. Voilà. Ainsi soit-il. Otep, bonne soirée à vous. S'il vous plaît, un message. Achetez les effigies. Vierge Marie, Saint-Michel et Jésus. Ça, c'est aussi une partie de mon message aujourd'hui. Je mets ça dans mes kits généralement. Donc, je vais commencer à mettre tous les trois dans les kits. Parce qu'avant, je mettais un seul. Je vais commencer à mettre tous les trois parce qu'ils m'ont montré l'importance de ça aujourd'hui. Bon. Bye bye, bonne soirée. Je vous aime très fort, oh. Je vous aime, oh. Je vous aime, moi. Oh. Je vous aime, oh. Je vous aime, oh. Merci Nathalie.